Excusez-moi, puis-je vous déranger? Vous vous dirigez à l'ouest, n'est-ce pas? J'ai ici une lettre qui doit être livrée. Cependant, elle est adressée à une certaine femme de la tribu Jazula établie dans les montagnes. Étant donné que je ne sais pas me battre, je ne crois pas que je pourrai effectuer ce voyage. Pourriez-vous vous en occuper pour moi? Merci de votre aide. Mais les gens n'ont pas besoin d'être au courant pour toute cette histoire, d'accord? Aventurier, avez-vous une minute? J'ai une proposition à vous faire. Je suis commerçant, je gagne mon pain en vendant des épices exotiques aux tribus locales. Je possède un entrepôt caché, mais il a été envahi par des monstres. C'est à peine si je m'en suis sorti vivant. Et maintenant, ces monstres sont enfermés et se repaissent de mes précieux produits. Pourriez-vous les éliminer et je vous offrirai une partie de mes articles? Vous trouverez une porte secrète dans une des grottes dans les montagnes. Vous pourrez l'ouvrir en poussant une pierre saillante dans le mur. Je savais que vous les tueriez. On fait plus de guerriers comme vous. Vous avez vu mes épices? J'espère qu'ils n'ont pas tout dévoré. Il faut que je recoupe mes pertes. Mais chaque chose en son temps. Voici votre prime. Ma chèvre a disparu. Est-ce que vous l'avez vue? Vous pourriez m'aider à la retrouver. Ma vue n'est plus ce qu'elle était. Elle broutait tranquillement sous l'arganier qui est juste là. Je me suis assoupi quelques minutes, et à mon réveil, elle avait disparu. Mélita! Bien sûr que cette chèvre est à moi. Elle l'a toujours été. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Mais si vous la voulez, nous pourrions peut-être parvenir à un accord. Une bande d'aiguipans s'aventure de plus en plus près de mon petit camp. Occupez-vous d'eux et nous pourrons parler. Oh, et ramenez-moi une de leurs têtes comme preuve. Magnifique! Une telle tête fera un bien meilleur sacrifice pour la puissance de la danse! Regardez-moi ces cornes! Reprenez votre chèvre, je vais vous décharger, comme promis! Une lettre pour moi? Je parie qu'elle vient d'Oka. Il a toujours une excuse pour ne pas venir ici, mais je crois qu'il a peur de me demander officiellement en mariage. Il ne devrait pas. Enfin, merci pour votre aide.
Vous m'avez fait peur. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, peut-être pas tout de suite. Alors, ces Hespérides, je parie qu'elles sont d'une beauté inimaginable. Non, ne me dites rien. Vous avez rapporté quelque chose. Oh, alors, vous l'avez trouvée? Elle a l'air tellement... normale. Et à peine dorée. On ne dirait pas une pomme. En tout cas, nous y sommes. Jamais je n'aurais cru voir ce jour, mais... d'après les textes, nous avons tout ce qu'il faut. Vous avez fait vos préparatifs pour l'Atlantide? Je ne suis pas prêt. Je me sens bien, Agadir, mais passons. Y sont les voiles et en avant. Il faut vivre l'instant présent.